Vous regardez RTL. On me dit les décors sont à Valence. Je dis, ils font quoi les décors à Valence? Eh bien, il y a une grève des camionneurs, donc les décors, ils sont remontés en camion à Valence, ils sont sur le parking. Je dis, on va aller les chercher. Je dis, ben essayez, il y a juste 15 000 camions qui font grève. Donc, je veux dire, c'est des exemples de choses qui se sont passées et qui ont rendu ce tournage assez apocalyptique. Grave que je me faisais peur. Je me demandais si on finirait le film. Quand vous commencez un film dans ce qu'on appelle le pays Qatar, à 1 heure de route de Carcassonne, et que quand vous descendez sur le décor, vous avez les pieds qui s'enfoncent de 20 cm, tellement la terre elle est imbibée, mais comme on était un peu obstiné, on dit, bon, on va quand même tourner. On allait avec Jean-Marie Poiret, on allait dans les salles, parfois on se mettait dos à la salle, on voyait des jeunes, des gamins, ils anticipaient les répliques, ça voulait dire qu'ils avaient déjà vu le film. C'est un bonheur exceptionnel comme aventure.